expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur After Fight. Je me présente à nouveau, Nathan Rochefort, étudiant deuxième année d'école de journalisme à Nice et journaliste chez After Fight. Et aujourd'hui, invité exceptionnel, on reçoit le préparateur physique du MMA Factory, Mathieu Fassel. Mathieu, comment vas-tu? Bonjour Nathan, ça va super et toi? Ça va merveille, hein, on est dimanche, j'espère que tu vas bien, que là t'as pu dormir un peu après une nuit mouvementée. Bon, un petit peu, on vient de se réveiller là. Et puis, pour rappel, voilà, au moment où on enregistre l'interview, grosse échéance pour les MMA Factory hier, avec une belle victoire de leur combattante Daria Zeleslakova, qui s'est donc imposée hier à l'UFC Vegas 89, il me semble, au terme d'un superbe combat, donc on la félicite. Voilà Mathieu, on est parti pour une petite interview. Est-ce que tu peux... parti. Alors, je me présente, donc Mathieu Fassel, j'ai 31 ans. Je suis actuellement le responsable du pôle performance du MMA Factory et également à l'Académie des boxes de Villejuif. Voilà, ça fait 4-5 ans que je suis au MMA Factory et à côté de ça, je fais aussi le métier de coach pour toutes les personnes de la vie de tous les jours, les personnes lambda. Voilà. Et on rappelle aussi que tu as aussi pratiqué les sports de combat, c'est ça, il me semble? Oui, j'en ai pratiqué très jeune. J'en ai pratiqué, je crois, entre 6 et 8 ans, je crois, judo pendant 2 ans et taekwondo pendant 6-7 ans. Et puis ensuite, j'ai fait un petit peu de MMA en sortant du lycée, mais bon, c'était vraiment comme ça, quoi. J'étais pas très sérieux, pas très assidu. Et tu as eu cette passion pour les sports de combat depuis enfant? Ouais, toujours. Mon papa était professeur de karaté et puis mes parents, ils n'étaient pas trop pour que je sois que j'aille au football, des choses comme ça, parce que ils voulaient que j'ai un cadre vraiment strict. Ils avaient peur qu'au football, je fasse de mauvaises fréquentations, des choses comme ça. Ou que, tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient vraiment un art martial et ils avaient des préjugés un petit peu sur le foot. Tu vois. Donc Mathieu, on rappelle, voilà, toi qui officie en tant que préparateur physique, pour nous expliquer un peu ce métier, tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement au quotidien? Au quotidien, tout simplement, préparateur physique, ça, le but, ça va être tout simplement d'amener la performance pour l'athlète, c'est-à-dire le préparer à la fois de manière globale, qu'il ait les meilleures qualités physiques, cognitives, coordination, etc. C'est vraiment un large panel pour pouvoir performer et puis également apporter une plus-value sur la préparation que vont faire les coachs avec leurs athlètes. La préparation en France, voilà, c'est toujours été vital pour le besoin des sportifs, pour leur bien-être et pour leur performance. On le rappelle, du MMA, il y a quelques figures dans ce secteur de la préparation qu'on connaît, mais qui sont encore assez méconnues tout de même. Je pense notamment à Rémi Fizio, à Clément Marcoux ou encore Nicolas Haut. Est-ce que c'est des inspirations pour toi? Ils sont très inspirants parce que déjà, c'est des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, qui sont constants aussi, ça fait un moment qu'ils sont là. Moi, Nicolas, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai commencé le MMA. Il a été, en tant que pratiquant amateur, il a été mon coach, notamment avec Carla Moussou ou Fernand Lopez à cette époque-là, quand c'était le crossfight. Et je vais parler que de lui parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est quelqu'un de très, très, très studieux. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a pris en stage au MMA Factory quand j'ai passé mes diplômes. Et c'est quelqu'un, oui, qui m'a beaucoup inspiré parce que, en fait, il a la bonne méthode, en fait. Il s'instruit, il applique ce qu'il fait, il est passionné. Et je trouve que c'est des mecs sur qui il faut prendre exemple parce que c'est des mecs qui ont réussi et qui ont fait les choses bien, tu vois. Donc, c'est des gars très intéressants et qui méritent d'être étudiés. Et Nicolas Haut, qui était justement préparateur physique, qui est désormais le head coach de Nassourdine Mavov. Est-ce que toi aussi, tu aimerais un jour devenir le head coach pour un combattant? Ça demande beaucoup de qualités, beaucoup de prérogatives déjà avant. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas encore cette casquette de coach, c'est-à-dire que de coach, je veux dire de MMA, c'est-à-dire appliquer, étudier l'athlète adverse sur sa technique, sa façon de combattre, mettre en place un game plan, etc. etc. C'est quelque chose que je le fais un peu en assistana à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai toujours, comme je disais, par exemple pour Jordan, il a commandé qui s'occupe de son game plan et Fernand. Moi, je suis à côté et je ramène mon truc plus sur le domaine physique. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je serais contre, mais il faut se préparer à ça. Ça demande quand même des qualités, tu vois.
Donc, je voulais te demander aussi, maintenant que tu es préparateur physique au MMA Factory, une des salles emblématiques en France, comment tu y es arrivé? Explique-moi ta rencontre avec Fernand Lopez. Alors Fernand, faut savoir que je le connais depuis plus de 10 ans, parce que justement j'avais intégré le CrossFight à l'époque, ce qui était le MMA Factory avant. Donc déjà Fernand et moi on se connaissait déjà, et comme je le disais avant, je connaissais aussi Nicolas Hott. Quand j'ai décidé de faire ma reconversion professionnelle, j'ai demandé en plus du stage qu'on devait faire dans des structures, on va dire, plus classiques de salles de sport. J'ai demandé à Nicolas Hott si je pouvais faire mon stage au MMA Factory, parce que sans avoir l'ambition de l'intégrer tout de suite, je savais que c'était le domaine dans lequel je voulais aller, la préparation physique dans les sports de combat. Et je me suis dit, tant que je peux gratter un stage, autant prendre tout de suite un petit bagage qui me servira peut-être plus tard, tu vois. Et Nicolas, bah, m'a tendu la main immédiatement sans discuter. Et ensuite, j'ai pu être travailler, suivre en binôme durant mon stage Ryan Gillette, qui était le préparateur de Cyril et de Nassourdine à l'époque. Hugo Margoton, qui a été pendant longtemps le responsable du pôle prépa du MMA Factory également. Zach, bref, les préparateurs qui étaient en place. Et du coup, en travaillant avec eux tout au long de mon stage, quand j'ai eu mon diplôme, je crois que c'est Zach qui m'a contacté pour me donner un premier travail à faire avec Luc Rousseau. Et puis, de fil en aiguille, après, j'ai eu mes petits Ben Lakhdar, Assia Miri. Puis, bon, à force de travail, ça a commencé à grimper comme ça. Je comprends bien, ok. Tu t'es élevé au fur et à mesure dans l'échelon. Et désormais, tu as désormais une relation assez cordiale, assez particulière avec les combattants. Quelle place tu accordes à l'aspect humain quand tu travailles avec justement les fighters? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est purement professionnel? Alors, pour certains, ouais, c'est des amis. Clairement, en vrai, moi, j'apporte beaucoup d'aspects humains, mais ce n'est pas, tu vois, forcément d'un point de vue stratégique, tu vois. L'humain, il est important. Il faut savoir trouver les bons mots, il faut savoir activer les bons leviers sur le plan psychologique avant un fight, parce que bon, on banalise ça, mais c'est quand même un truc de ouf de se mettre dans une cage devant des milliers de gens et de se battre, quoi, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Donc, il y a vraiment un facteur humain qui est important à prendre en compte. Mais après, dans mon naturel, je suis quelqu'un qui a du mal avec des gens avec qui je passe du temps, avec qui je vis des choses qui sont quand même hors normes et assez extraordinaires, tu vois. J'ai du mal à rester distant. Je suis quelqu'un de très sentimental avec les gens. Donc, j'ai forcément lié, tu vois, un lien d'amitié avec mes athlètes, tu vois. On pense notamment au groupe dans lequel je suis officie, dans lequel il y a Abouef, Donatello, Jordan. Donc ça, tout ça, c'est tes amis. Tu pourrais sortir avec eux demain soir, par exemple. Ouais, bien sûr, bah, ça a déjà été le cas. Charboulat est passé voir le film Grégor à la maison. Tu vois, voilà, Jordan, on aurait dû se voir hier pour aller à la Foire du Trône. Malheureusement, le temps n'y était pas. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, en fait, quand on est dans l'entraînement, ils ont cette intelligence de savoir que là, je ne suis pas leur copain. Une fois l'entraînement terminé, là, on est très liés. Ah tiens, il y a un point intéressant par rapport à ça. Jordan, dans une interview récemment, Jordan Zebo, il se plaignait du fait que parfois dans la rue, il était appréhendé par des individus qui lui criaient « Jordan, t'es mort », etc. Donc des passants qui l'embêtent. Est-ce que désormais c'est fini maintenant qu'il s'est imposé à la Rez 19 contre Carlos Grassa? On n'a pas eu l'occasion de vraiment trop sortir ensemble depuis, ou alors quand on est sorti, c'était dans des cadres où il n'y avait pas trop de public. Donc, je pourrais pas tellement témoigner de ça. Moi, en tout cas, quand je suis avec lui à la salle, les gens, comment dire, dans un cadre fermé où il y a une vraie proximité, les gens sont jamais les mêmes que sur les réseaux. Ou alors, on a beaucoup de chance et on tombe sur les cools dans la vraie vie et les moins cools en dehors. De ce que j'ai vu, en tout cas, les gens sont plus dans le partage. Ils donnent de la force quand moi j'étais là. Et ils l'ont félicité, tu vois, d'avoir su rebondir sur son combat, son dernier combat à Arès. Mais Comme voilà, Internet est là. c'est ça, il y a Internet, la vraie vie. Puis après, je pense aussi qu'il y a toujours ce côté. Bon, je pense que les personnes qui l'embêtent, c'est aussi des personnes qui sont assez jeunes. Nous, on a déjà des petits qui sont venus à la salle, qui ouvraient la salle, qui disaient Baki, t'es mort, Jordan, t'es mort, puis partent en courant. Et un jour, on les a attrapés, on leur a dit, mais venez, installez-vous et regardez. Et ils étaient comme ça, regardaient ça de manière passionnée. Tu vois, faut prendre du recul là-dessus. C'est vrai que ça peut être pénible quand tu es avec ta femme dans la rue, des choses comme ça. Mais bon, après, quand tu creuses un peu,
Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu. Les gens, ils vont changer d'avis aussi vite que. Tu vois? Passons, mais en tout cas, c'est très respectable de votre part de voilà, soutenir vos fighters, quelle que soit la situation. Normal. Donc, c'est assez respectable. Je me demandais aussi par rapport au métier de préparateur physique, quelle évolution tu constates dans ce métier depuis la légalisation du MMA? Est-ce qu'il y a assez de visibilité? Est-ce que votre travail est assez reconnu? Est-ce que voilà, votre rôle dans le staff est assez mis en valeur? Alors, je trouve que ça vient petit à petit. C'est mis de plus en plus en avant. Je pense que la plupart des personnes qui parlent du MMA, que ce soit bah, par exemple vous dans vos podcasts ou des choses comme ça, vous mettez en lumière le fait qu'il faut avoir conscience que la préparation physique, c'est important pour le haut niveau. Au même titre que dans le football, que dans le basket, que dans le rugby, ils ont des préparateurs physiques, voilà, dans le MMA également. Après, je pense que ce sera toujours proportionné. Le MMA prend de plus en plus de lumière, on n'en avait pas avant. On prendra de la lumière au fur et à mesure avec le MMA, mais on aura toujours une place un peu secondaire. Les préparateurs physiques, je pense, ce qui est normal. Je pense que la star, c'est l'athlète. Derrière, il y a le head coach qui n'est pas loin derrière, mais le préparateur physique, c'est encore une annexe un peu plus éloignée. Mais ça commence à. Les gens, je pense qu'ils prennent conscience d'eux. Ah, on comprend bien le fait que voilà, l'ascension est lente, mais normale et aussi. Est... Ouais, c'est proportionné en fait. Et du coup, par exemple, ce que je me demandais, c'est que lorsqu'un fighter gagne, est-ce que vous appréciez le fait que, voilà, quand il dédicace son staff, est-ce que c'est quelque chose qu'on demande au fighter en post-interview de remercier son staff? Moi, je le demande, j'ai jamais demandé ça, mais ça fait toujours plaisir d'avoir que le combattant, à ce moment-là, qui est un moment assez, en termes d'émotion, assez fort, il a une pensée pour toi, parce que tu as passé du temps avec lui, tu as travaillé avec lui, tu t'es investi pour lui. Donc, qu'il ait une pensée pour toi, c'est bien, mais même si c'est un mot derrière, en backstage, oui. Moi, comme je dis toujours, mes athlètes, quand ils me remercient, je dis la meilleure chose que tu puisses faire, c'est gagner. Si tu gagnes, tu m'as fait kiffer. Et après, moi, par exemple, personnellement, je ne suis pas forcément pour avoir énormément de lumière ou alors de lumière uniquement vis-à-vis de mon travail. C'est-à-dire que si on parle tous les jours de Mathieu Fassel parce que tous mes athlètes gagnent, bon, ça, je kiffe. Après, tout ce qui est extra-sportif, tout ça, tu vois, je ne cherche pas de la lumière qui n'est pas en lien avec la réussite dans mon métier. Voilà, la lumière, sur le plan sportif, voilà, c'est l'idéal. C'est ça. Par la performance, ce n'est pas par les sportifs. C'est ça, c'est ça exactement. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, du coup, je pense que les deux plus grosses échéances que tu as eues en tant que préparateur, c'est, il me semble, la première, c'est le PFL Paris en septembre dernier. Et pour commencer par celle-ci, est-ce que tu peux nous raconter quel programme tu as mis en place pour Jordan? Comment se prépare pour affronter Cédric Doumbé? C'était en 3 rounds, il me semble. Raconte-nous un peu. Ah, Jordan, déjà, il était préparé pour un combat où il aurait fallu avoir beaucoup de mobilité sur le combat. Après, ne connaissant pas l'avenir, je ne vais pas trop rentrer dans les détails stratégiques, mais concrètement, Jordan devait être capable de produire énormément en étant beaucoup en mouvement et en étant, avec une logique vraiment MMA, c'est-à-dire sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire que Jordan, on considérait qu'il y avait beaucoup de, il caricaturait un petit peu le trait en disant il y a un lutteur contre un striker ou des choses comme ça. C'était un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que Jordan, il était vraiment capable de pouvoir travailler sur les trois niveaux, que ce soit striking, le sol ou en lutte. Donc voilà, c'était un gros travail travail de mouvement, d'explosivité et de travail sur tous les compartiments du MMA. Et a posteriori, quand il apprend sa nouvelle échéance contre Carlos Gracia, c'est le même schéma que tu as opéré pour lui, pour le préparer. Pareil, gros volume du MMA pour le préparer contre Carlos Gracia. On voulait quand même qu'il retourne aussi sur quelque chose qu'il savait très bien faire. C'était un petit peu plus... on voulait qu'il retrouve des bonnes sensations. Donc, avant tout, c'était aussi un combat où il fallait qu'il retrouve ses marques parce que c'est toujours compliqué quand tu as un combat comme celui qui s'est passé au PFL parce que finalement, tu n'as pas pu t'exprimer. Donc, c'est comme si tu avais fait un fight où tu n'avais pas pu retrouver tes marques. Et du coup, là, ce combat-là, on voulait vraiment… on ne voulait pas se précipiter. On voulait que Jordan y reprenne du plaisir, qu'il retrouve ses sensations et qu'il performe dans ce qu'il sait faire, tu vois, c'est-à-dire des grosses entrées dans la garde du gars, des gros takedowns, savoir ressortir. Donc, c'était très satisfaisant.
Ouais, on l'a bien vu hein, pour ce combat à la RES 19, qu'il avait une grosse capacité au sol à dominer son adversaire avec des positions montées, à l'amener au sol aussi. Ça se travaille pour pouvoir, voilà, pendant 3 fois 5 minutes, arriver à chaque fois à l'amener au sol et garder du cardio pour réussir à finir le combat. Jordan s'entraîne. Enfin, les gars que j'entraîne, ça, faut savoir que déjà, on les entraîne pas pour un 3 fois 5 minutes. Non, mes gars, ils s'entraînent pour des 5 fois 5. Après, on adapte au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date pour qu'ils soient performants sur un 3 x 5. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de volume de travail, ça peut même arriver de leur faire des rounds de 8 minutes ou des choses comme ça. Donc, vraiment, les gars sont prêts. 5 minutes, ça leur fait pas peur et je leur fais plus la misère que pourra leur faire, bien sûr, en termes d'énergie, de dépenses d'énergie, que pourra leur faire leur adversaire. Donc, Vive leur c'est star clair. pour être à l'aise dans le combat, je comprends bien. Exactement. Et pour, voilà, pour rebondir sur la deuxième grosse échéance qui t'attend, c'est évidemment l'UFC 301 au Brésil, un UFC numéroté, l'UFC qui est de retour au Brésil, avec William Gomis, combattant issu du MMA Factory, avec lequel tu vas travailler pour la première fois. Comment se C'est passe ta ça. préparation avec William? Super. William, il est très très assidu. Il est très facile, Jordan. Jordan, pardon, William. Il est très facile, William, parce que il est à l'écoute. Il applique très rapidement les consignes qu'on lui donne et c'est quelqu'un qui ne va pas rechigner, que ce soit pour la diète, que ce soit pour l'entraînement. C'est quelqu'un, il est là, il est là pour travailler. Il est très très studieux. Donc et puis c'est quelqu'un de super sympa. Donc c'est facile de bosser avec des mecs comme ça. Et tu trouves dommage le fait qu'il ne soit pas assez mis en avant à l'approche de cette échéance? Disons que forcément, je vais toujours vouloir que mes athlètes soient mis le plus en avant possible, mais après, il faut rester aussi logique, tu vois. Il faut laisser le temps au temps, tu vois. Ça prend du temps à monter, surtout que les KT comme William, comme Benoît, il y a du monde. Ça prend du temps, ça va prendre plus de temps que quand on est par exemple dans les KT féminines ou les catégories lourdes qui vont être un peu plus rapides pour monter. Voilà, Benoît, il avait fait pas mal de choses assez sympas avant qu'on parle de lui comme vraiment quelqu'un d'intéressant. Et je pense que ça fait vraiment que deux combats que les gens y réalisent. Avant, moi, j'entendais beaucoup sur, peut-être pas les deux derniers combats, mais ceux d'avant, celui-là, il va pas passer, il va pas passer. Et Benoît il est passait. super par le grand public, il me semble, au premier UFC Paris, à mon avis. Voilà, C'est vraiment, il est ça. autre. Et Et justement. encore, les gens ne le donnaient pas forcément à chaque fois gagnant pour ce combat-là, ni celui d'après. Donc, il faut laisser du temps. Et moi, je suis persuadé que William va s'installer tranquillement, de plus en plus, comme l'ont fait certains combattants. Bah c'est certain qu'une victoire à l'UFC 300, ça vraiment, ça réconcilierait avec le public français. Et donc, pour enchaîner, évidemment. Je me demandais un peu par rapport aux prochaines échéances qui arrivent aussi. Moi, tu le sais, je viens de Nice. La Boxing Squad, on a un fighter terrible, c'est Virgil Haugen, qui va combattre pour la ceinture de la RES face à l'un que tu prépares, c'est Vlad Guthoux. C'est Parle-nous de ça. comment tu vas préparer Vlad à cette guerre. Alors, bon, bah, je vais essayer de donner le moins d'informations possible. Mais bon, on le prépare à combattre l'une des plus grosses têtes d'Arès. Hein. Virgil, c'est quelqu'un d'extrêmement bon, c'est quelqu'un d'extrêmement endurant, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Donc, on prépare Vlad sur beaucoup d'aspects, que ce soit cardio, puissance. Énormément de choses. C'est compliqué de pouvoir s'exprimer, tu vois, parce que t'as pas envie de lâcher d'infos, tu vois. Après, Mais on en est sur vrai. une guerre, mais c'est vrai que tu penses qu'il y a un aspect où Vlad aura l'avantage de ce que tu sais, de ce que tu. Je pense que bon, bah déjà, Vlad a une excellente lutte, vous le savez. C'est un excellent lutteur et il a une capacité à se montrer très, très, très explosif. Et vu le bébé que c'est, le gros bébé que c'est, quand il explose, vaut mieux être prêt, vaut mieux pas laisser passer. Maintenant, après, on a sur quoi on est attendu, dans le sens où c'est ce que Vlad a produit jusqu'à présent, mais on prépare aussi de la surprise. Donc, Vlad est beaucoup plus complet qu'on peut l'attendre et il a ses chances, il a vraiment ses chances. Bon, sachant que Virgile sera prêt aussi, on s'attend à une vraie guerre, alors Donc, vraiment. ça doit être soutien à ton gars. Ça va être Non, un bon, truc. bah, ça sera une très belle guerre et ça va être très intéressant parce que les deux, c'est deux morceaux et c'est des gars qui n'ont pas peur d'aller à la guerre. Donc, je pense qu'ils vont vraiment se battre. Et Virgil, cette ceinture, j'imagine que ça fait un moment qu'il l'a en ligne de mire. Donc, ça va être un beau fight. Super. Bon, aussi, on aimerait prendre des nouvelles, toi qui travailles au MMA Factory. Comment va Baki? Comment va Cyril Gane? On a moins de nouvelles d'eux depuis leurs dernières échéances. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ça?
Bah écoute, de ce que je sais, les deux vont très bien. Les deux vont très bien. Ils s'entraînent. Alors Cyril s'entraîne très régulièrement. Baki, je crois qu'il a été prendre un petit peu de repos. On s'est pas, on s'est eu une fois par message interposé avec Baki, mais là je crois qu'il est. Je me demande s'il est parti en Alsace ou. Strasbourg chez ses parents, à mon avis. Ouais, voilà. Donc retour aux sources, il se repose, il profite des siens. Puis quant à Cyril, là, c'est le boulot, hein. Ça bosse. Il se prépare, il se prépare. Deux trainings par jour? Comment? Deux entraînements par jour pour Cyril au programme? Ça, je ne pourrais pas te le dire. C'est pas moi qui m'occupe de lui personnellement, je ne pourrais pas te dire. Je sais qu'il est au sparring. Après, je vois qu'il bosse pas mal aussi lui de son côté. Il a le boulot avec Ryan. Donc, il est vraiment sur. Oui, deux trainings par jour, ça doit être ça. Hein, entre la technique, les pattes d'ours, les sparring, les cours au sol, la prépa physique, on doit être là-dedans. On espère le voir contre Pavlovich, on ne sait pas contre Aspinall, mais on espère le revoir au plus vite parce que on sait que là, du coup, il est beaucoup plus discret et qu'il travaille comme un acharné pour revenir et il nous manque Le d'un Cyril. retour va être très qualitatif. On l'espère bien. Donc, j'en ai fini pour mes questions, Mathieu. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah, plaisir partagé, merci à toi pour ton temps et puis d'avoir pensé à moi. Et là, on va passer au five si tu le veux bien. Donc, comme je Vas-y. pouvais expliquer, c'est donc cinq questions random. Et tu me réponds ce Ok. que tu penses. Donc voilà, on est Ok. parti. Donc je me demandais d'abord, quel est le plus beau moment pour le moment que tu aies vécu en tant que préparateur physique? Je pense le sacre d'Abou, c'est en termes d'émotion. En plus, c'était le combat juste après le PFL Paris, qui forcément, bah, c'était pas quelque chose de joyeux. Donc, je pense que l'ascenseur émotionnel est dingue. C'était vraiment. C'est le genre de soirée, t'as des blackouts tellement t'es loin. Abou Younoussov qui nous a livré une vraie guerre, on le rappelle. Hein. Magnifique. Et Magnifique. pour la fierté de Tourpal, il y avait aussi Ramzan dans son camp, Nassourdine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu une petite anecdote par rapport à cet incroyable casting qui était derrière Abou ce soir-là? Bah écoute, Baki déjà nous avait rejoint parce que malheureusement il avait loupé la pesée, donc ça c'était un imprévu, donc ça nous a fait plaisir parce que Baki, il faut savoir que c'est quelqu'un d'ultra ultra généreux et très bon avec les siens, c'est-à-dire que limite il était content pour nous qu'on réussisse, enfin limite il était content pour nous qu'on réussisse et il voulait vraiment en fait nous accompagner et il a totalement éclipsé son bah, la pesée qu'il avait loupée pour être à fond derrière nous. Nas, c'est le frérot, donc c'est toujours bon de l'avoir. Et puis Ramzat, c'était aussi une belle surprise. C'était un gars qui était vraiment bien. Et ce qui est dingue, c'est que c'est quelqu'un qui était vachement en retrait. C'était quelqu'un qui était en retrait de fou. Et puis, bah, petite anecdote, Ramzat, je n'ai pas trop parlé avec lui pendant tout le début parce que bon, on était vraiment focus. C'est pas le moment de faire le fanboy, tu vois. On travaillait. Et à la fin, quand on a gagné le combat, je suis allé le voir pour la première fois et je lui ai dit bah, merci de donner pour l'énergie, la classe qu'il a eue. Parce que comme ce mec, il passe pas la porte devant toi. Il laisse passer c'est Ramzat Chimaev, mais il te demande s'il peut pas. Moi, il m'a demandé, tu vois, les images qu'on a vues où je luttais avec. Ça, c'est une anecdote, ça. Je luttais avec. Je faisais les pattes à bout, tout ça, je préparais. Le moment, il a un tips, un peu en lutte. Et il vient me voir, il me dit, je peux te montrer un truc. Frère, c'est Ramzat, tu me demandes si tu peux nous montrer un truc de lutte. Mais montre-nous, s'il te plaît. Donc Montre-nous. voilà, vraiment une classe. Tu vois, on. T'as l'image que tu as à l'écran, des choses comme ça, puis remontant en vrai, Ramzat, c'est la méga classe. Vraiment la méga classe. Incroyable anecdote en tout cas et quelle victoire de Aboubakar Younoussov ce soir-là pour Merci. la ceinture ARES. Est-ce qu'on sait la suite pour lui? Qu'est-ce que vous espérez dans son staff? Bon, là, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'infos officielles, mais la logique, nous, on se prépare là pour la réunification de la ceinture. Hein. On a eu l'intérim. Maintenant, le but, c'est d'aller chercher la ceinture. À moins que l'UFC passe le shipper comme ça d'un coup juste avant. Moi, j'ai pas l'info. Mais en tout cas, moi, dans mon optique, là, l'objectif, c'est la ceinture. Aller à récupérer la ceinture contre Lee Scott, si je dis pas de bêtises, si j'écorche pas son nom, c'est Lee Scott. Et Scott, en tout cas. On espère que l'UFC se chopera pas Baki aussi parce qu'on aimerait voir la revanche contre Cédric tout de même. Mais c'est vrai quand on y pense qu'à tout moment, Abou, il peut recevoir un contrat UFC et que tout soit fini et qu'il disparaisse de l'ARES. Après, ça, c'est des questions du management. Moi, j'avoue que je n'ai pas le nez dedans. C'est pas quelque chose que donc où j'ai vraiment mon mot à dire. Mais j'imagine que si l'UFC propose à Abou, c'est dans l'intérêt du management de le faire passer directement à l'UFC, comme Baki. Baki, en vrai, bon, une revanche contre Cédric, je sais que ça ferait plaisir aux fans parce qu'il y a eu un peu de. Il y a forcément un sentiment d'inachevé ou de frustration de leur côté.
vu comment c'est terminé, mais sur le papier, il a gagné le combat le plus hypé de France. Je veux dire, à part sur le plan financier, là je parle en mon nom, hein, je vois pas l'intérêt qu'il y aurait à recombattre ou alors faire plaisir aux fans. Mais bon, faut pas oublier qu'ils ont une carrière à gérer, c'est difficile de dire non à Dana White pour faire plaisir aux fans, tu vois. Après, tu as vu ce que ce combat a généré, c'était assez dingue quand même. Rien que la Ouais, FDJ, bien sûr. 27 millions d'euros ont été perdus sur le site de la FDJ pendant ce combat. Donc, ça c'est incroyable l'engouement que ça a généré. Donc, Bien c'est vrai que sûr. sur le plan financier et médiatique, il y aurait tout intérêt à refaire ce fight. Ah oui, bien sûr, sur le plan financier, selon ce que pourra proposer le PFL, ce serait très intéressant. Après, c'est sûr que pour les fans, eux, je pense même qu'ils voudraient une trilogie si jamais il y avait, si jamais ça allait dans l'autre sens, quoi que ce soit, ils voudraient que ça ne s'arrête pas. C'est compréhensible, mais après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a ce côté spectacle, mais il y a aussi ce côté carrière à gérer. Moi, je sais que Baki est très courageux et je pense que si les billets sont alignés, il est vraiment chaud pour une revanche. Maintenant, moi, si je devais faire des choix purement tactiques et professionnels, encore une fois, au-delà de l'aspect financier, Baki a roulé sur sa KT à Arès. Là, il gagne le combat contre le croque-mitaine du MMA français. Donc, j'ai envie de te dire, là, la suite, faut aller à chercher l'international. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant pour lui. Après, encore une fois, s'il y a l'argent, tout ça, c'est des questions que son management sa famille prendront et lui-même. Voilà, c'est à lui de voir. Incroyable en tout cas. Bon, on espère la revanche. Pour enchaîner, évidemment, je voulais te demander, si tu n'étais pas préparateur physique de MMA, qu'aimerais-tu faire dans la vie? Je sais pas, un truc, peut-être un truc avec les animaux. Ouais, C'est un quoi ton... truc avec les animaux. T'étais enfant? Ah bon, t'es policier, tu as rien à voir. Ah, moi, j'étais pas fiable dans mes rêves. Moi, j'ai voulu être footballeur, mais j'étais nul au foot. J'ai voulu être chirurgien, mais j'étais nul en maths. Donc, j'étais très rêveur. Je finis toujours chauffeur de bus. Donc, tu sais, j'avais pas un truc. J'étais pas dans de rêve quand j'étais. Franchement, je sais pas. Je crois que j'avais le même rêve que tout le monde, tu vois, être footballeur ou combattant professionnel. Voilà, c'était des rêves un petit peu, voilà, de ce genre-là. Et non. Bon, je vais te poser la question que j'ai posée à Jordan. Voilà ce que tu Dis-moi. me réponds avec n'importe quel fighter. Tu es dans un bar. Ouais. Paris tranquille. On t'embête. Il y a un mec qui t'embête, qui dit viens, on sort. Et tu peux appeler trois combattants pour venir te défendre. Toute organisation confondue, dis-moi qui tu appelles. Comme ça, là, je sais pas. Bref, Bonne bagarre de rue. vraiment bagarre de rue, genre pas de sentiment. Je prends pas mes Non, gars non, là au non. Factory, mes gars. Je prends vraiment les. Je prends John Jones, déjà sûr. Je prends John Jones, Francis et McGregor. Bon, On est franchement, le trio. dans un bar, au moins, comme ça, le On trio. se C'est un trio énervé un peu. Rien que John Jones et Ngannou, déjà, pour moi, ça y est, je suis l'homme le plus sécurisé du monde. Attends, t'as pas eu l'occasion de le rencontrer aussi, en termes de temporalité? T'étais... Francis? Ouais, il était... Francis, si j'étais combattant amateur quand lui était pro au CrossFight. Donc moi je le connais, par contre lui me connaît pas. Parce que comme j'étais amateur, bon bah il y en a plein d'adhérents, tu vois. physiquement. Comment? Il t'avait impressionné physiquement à ses débuts. Oh, c'était trop ça. Non, franchement, c'est impressionnant. Franchement, Francis, c'est vraiment impressionnant. Quand il serre la main, quand il pose une main sur ton épaule, franchement, non, Francis, c'est quelque chose. On ne se rend pas compte à la télé, mais vraiment, en vrai, c'est ouf. Tu as l'impression d'être un enfant. En vrai, moi, j'ai 30 ans, mais à côté de lui, c'est comme si je suis un enfant de 6 ans, c'est pareil. C'est vraiment. Il est gigantesque. Sa voix, sa prestance, il est vraiment impressionnant, À Francis. ce moment-là, il a les locks, il Ouais, vit il chez... avait les. Ouais, il avait les. Ouais. ouais, il vit chez Fernand, et puis c'est la misère pour lui. Alors, moi, Mais... je ne connaissais pas tout ce côté personnel chez lui, mais c'est vrai que je le voyais à la salle À l'époque, c'était l'époque où il y avait Francis, il y avait Taylor, Lebou, il y avait tous ces gars-là, Carla Moussou, c'était cette époque-là, tu vois. Et franchement, c'est vrai que Francis, il faisait Énorme. peur, quoi. Et retiens ton attention, tu vois, tu rentres quand tu arrives à la salle et que tu voyais Francis, tu dis, mais c'est quoi ce mec? Pourtant, à ce moment-là, il n'avait pas de technique, il me semble. Non, franchement, c'était juste la force brute Ouais, quasiment. mais physiquement, il est hors norme. Enfin, t'as pas l'habitude de voir des trucs comme ça, tu vois. Surtout en France, je veux dire, on n'est pas connus les Européens pour avoir des morphologies
de dingue ou des choses comme ça, tu vois. C'est rare de voir des mecs comme ça, tu vois, des Golgoth. Enfin, franchement, Francis, c'est très, très impressionnant. Parmi les combattants qui t'impressionnent, évidemment, Baki, je voulais te demander si une revanche venait à avoir lieu, qui tu verrais s'imposer? Parmi mes amis, au vu des commentaires, on a notamment compris qu'il y avait un partout au terme donc il y avait un partout et puis le troisième round a été arrêté par TKO. Mais on a bien vu que Baki avait un gros niveau au sol, Cédric avait une bonne défense de lutte, Baki nous a assez impressionné en striking, mais peut-être qu'au sol il aurait pu plus en faire. Donc dis-moi, voilà, qui tu verrais, qui aurait l'avantage en cas de revanche? Je pense qu'en cas de revanche, Baki il aura l'avantage parce que, y a beaucoup de facteurs pour lui qui étaient inconnus, qui ne le sont plus. Donc au final, il pourra faire la même chose, mais en étant encore plus averti. Et je pense toujours que Baki est beaucoup plus complet que les Cédric en MMA. Maintenant, c'est toujours pareil. Cédric, il peut éteindre la lumière à tout moment. Donc c'est très difficile de. C'est des combats où il faut être prudent, en fait. C'est-à-dire que l'imprudence, bah, on l'a vu sur certains combats de Cédric. Hein. L'imprudence, tu la payes très très cher. Donc, c'est des combats qui sont serrés, avec beaucoup de pression. Ce serait toujours pareil, mais je pense que Baki aurait la qualité technique et psychologique de pouvoir s'imposer à nouveau. Très complet, très pertinent. J'avais juste une question, je me demandais par rapport à ça. J'étais impressionné par le mouvement de coude de Cédric et j'ai pensé aussi en préparant l'interview. Le coup, à quel point c'est important de le préparer? Est-ce que tu as l'exercice pour ça? On a vu notamment sur les réseaux sociaux une vidéo où c'était Benoît Saint-Denis qui s'entraînait en Bulgarie avec son manager Guillaume Pelletier, entraîner son cou avec des poids. Est-ce que tu fais ça aussi? Oui, alors après, j'utilise beaucoup plus de méthodes, moi, d'isométrie, pour rendre à César ce qui appartient à César. J'aime beaucoup la façon de travailler du kiné. Merde, j'ai un trou de mémoire, je crois. Le kiné, il est à l'Aqua Boulevard. Mince, j'ai un trou de mémoire. Il travaille vachement avec Nicolas, François Maubert. J'aime bien ses méthodes de travail, il travaille beaucoup en isométrie. Moi je travaille plus là-dessus, c'est beaucoup plus pour renforcer en fait le cou, renforcer les cervicales, les rendre plus résistantes. Après, sur les mouvements que fait Cédric, je pense que ça, c'est plus des choses que tu vas travailler en sparring ou avec tes coachs, avoir le balancier un petit peu, tu vois ce que je veux dire. En préparation physique, je vais plus moi être sur vraiment le renfort, du coup, vraiment faire en sorte que on protège un petit peu les cervicales, on essaye d'avoir le mec le plus Les résistant. pics au cas où aussi pour tanker un minimum. Voilà, oui, ça peut jouer, mais c'est surtout vraiment de manière générale avoir le cou plus résistant et être moins sensible justement à toutes les quand ça vacille un petit peu, tu vois. D'accord. Et pour terminer, je voulais te demander, toute organisation confondue, quel est le combat de rêve que tu aimerais voir en 2024? C'est pas évident le combat de rêve. En bref, je vais être un petit peu, comment dire, pour mon équipe, mais ce qui serait le plus logique, ce serait un combat pour le sacre de Cyril. Je pense que dans mon équipe, celui qui est le plus proche d'un sacre à l'UFC, et je pense que ce serait quelque chose qui ferait beaucoup de bien pour la France, pour le MMA français et puis pour notre équipe. Donc, Énorme. ouais, ça serait mon combat de rêve pour un petit Cyril Aspinall, ce serait sympa. Ce serait vraiment sympa. Ce serait énorme. Ce serait vraiment énorme. Bon. Surtout que, ouais, c'est-à-dire que Cyril, faudrait il faudrait qu'il bouge bien, avec ses kicks, qu'il les use au maximum, parce qu'il est monstrueux sur ses kicks. Au sol, je sais pas au sol. Moi, je trouve que les deux représentent vachement le MMA, mais tu sais, la nouvelle génération dans les lourds. C'est-à-dire que les deux, il y a quand Cyril venait de rentrer à l'UFC et qu'Aspinall aussi était en train de monter, on les présentait les deux comme étant un peu hors norme pour la KT. Entre Aspinall qui est super complet et Cyril qui va dans tous les sens, qui se dépasse comme un léger. Les deux, je trouve que les deux, c'est l'avenir de ce qui peut se faire chez les lourds en MMA. Et je pense vraiment que c'est une génération qui est très intéressante. Ces deux-là, je pense que ce serait vraiment de l'art de les voir ensemble dans une cage. Je serais vraiment curieux de voir ça. Serait un super combat que l'Hexagone, on espère voir ça un jour. En tout cas, J'espère. merci beaucoup pour tes réponses. C'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. Bah, merci à vous pour le temps de consacrer et puis pour la visibilité. Très De rien. gentil. Ton Instagram s'affichera ici ainsi que celui du MMA Factory. Et donc Ok. voilà, encore à Kevin de After Fight pour l'opportunité de te recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous plaît.
Et voilà, bon après-midi à tous. Merci beaucoup, Nathan. Bon après-midi à tous.